Désolé encore pour les petits soucis techniques. Donc aujourd'hui, comme je le disais, le thème de ce jour, c'est la césarienne et puis la classification de Robson. Et le volet se fera en trois étapes. Suivant, s'il vous plaît. Le plan de... Voilà, merci. Donc ça se fera en trois étapes. D'abord, nous aurons dans un premier temps à parler de la généralité sur la césarienne. Quand nous parlons de césarienne, nous parlons de la définition, de l'historique, de l'épidémiologie, des types de césarienne, des indications. C'est ça, c'est tout cela que nous allons mettre au niveau de la généralité sur la césarienne. Ensuite, nous allons passer à une deuxième phase, la phase qui parle proprement de la classification de Robson. Au niveau de cette phase, je vais seulement vous parler de l'auteur, de la structure de cette classification et de son utilité. Ensuite, je vais terminer avec un cas pratique, c'est-à-dire ce sont des résultats de mes recherches que nous avons effectués ici à Moscou. Et grâce à ces résultats, vous allez mieux comprendre en quoi, avec la classification de Robson, nous arrivons à faire un audit sur les taux de césarienne et à réduire considérablement ces taux pour que ces taux puissent se retrouver au niveau de la norme exigée par l'Organisation mondiale de la santé. Suivant, s'il vous plaît. Nous allons commencer avec la définition de la césarienne. Chers collègues, je sais que vous connaissez ce que c'est que la césarienne. Quand nous parlons de césarienne, nous parlons simplement du il s'agit simplement d'une intervention chirurgicale. Et cette intervention, ça permet d'extraire le fœtus par voie abdominale, bien évidemment après incision de la paroi abdominale et de l'utérus. C'est-à-dire, vraiment, nous faisons une laparotomie d'abord, ensuite nous passons à l'hystérectomie. Voilà. Et concernant le mot césarienne, il y a eu beaucoup de spéculations au niveau de ce mot, parce que il y a d'aucuns, beaucoup ont jugé, croyaient que la césarienne était liée, hein, ça avait un lien à voir avec l'empereur romain Jules César, ce qui n'est pas le cas. La césarienne, le mot césarienne, ça vient du verbe latin saedere, qui veut dire couper. Donc, c'est ce que je peux vous dire comme définition simple, je reprends, c'est la césarienne, c'est une intervention chirurgicale qui permet d'extraire le fœtus après laparotomie et hystérectomie. Suivant, s'il vous plaît. Donc, au suivant, nous allons parler de l'historique de la césarienne. Quand nous parlons d'historique, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est-à-dire que l'histoire de la césarienne, ça serait, c'est au niveau de quatre grandes périodes. L'histoire de la césarienne s'étend sur quatre grandes périodes. Nous avons d'abord la première période allant de l'Antiquité au Moyen Âge. Ensuite, nous avons la seconde période qui va du 16e au 19e siècle. Ensuite, la troisième, du 19e au 20e siècle. Et la dernière, c'est-à-dire de la fin du 20e siècle jusqu'à nos jours. Au niveau de la première période, c'est-à-dire de l'Antiquité, suivant s'il vous plaît, de l'Antiquité au Moyen Âge, qu'est-ce qui se passait? D'abord, la césarienne avait commencé grâce à des médecins qui, comment l'expliquer, c'est-à-dire qu'il y avait une césarienne qui était faite uniquement sur les femmes qui sont mortes, les femmes enceintes. C'était une césarienne post-mortem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette césarienne post-mortem se faisait uniquement au niveau d'une certaine région de l'Afrique, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique orientale, où qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que nos parents africains faisaient? Il fallait extirper ce qu'ils appelaient l'organe malade, c'est-à-dire le fœtus. Il fallait extirper le fœtus du cadavre, car selon eux, c'était ce fœtus qui était responsable de la disparition de leur sœur, de leur tante, de leur fille, c'est-à-dire de la défunte. Donc, pour eux, leur but, c'était de faire. S'ils ne faisaient pas ça, ils pouvaient avoir après des répercussions sur la vie quotidienne des survivants, c'est-à-dire des vivants. Aussi, nous avons remarqué aussi que chez les Romains, les Étrusques et les Indiens, il y avait aussi cette pratique. Il y avait aussi la césarienne post-mortem qui était pratiquée. Et parce que chez eux, c'est-à-dire que chaque fois qu'une femme décidait au terme d'une grossesse, il fallait impérativement pratiquer une césarienne post-mortem dans le but d'abord d'extraire le fœtus en vue de l'enterrer et après passer à l'incinération de la défunte, c'est-à-dire de la femme enceinte. Suivant. Aussi, qu'est-ce qu'il faut aussi constater? Il faut constater que aussi, suivant.
s'il vous plaît. Il faut constater aussi que pendant cette période, il y avait aussi l'Église catholique romaine, qui aussi pendant cette période, c'est-à-dire pendant la période allant de l'Antiquité au Moyen Âge, avait recommandé la césarienne post-mortem parce que l'Église estimait qu'il ne fallait pas faire perdre à l'enfant comment dirais-je le baptême. Il ne fallait pas faire perdre à l'enfant le baptême, c'est-à-dire bon, quelque chose comme ça. Si je peux avoir le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Aussi, ce que j'avais dit en concernant la césarienne post-mortem, et cette pratique a été consignée par Pompilius au niveau de son. Il y a un ouvrage qui est appelé Loi royale, Lex Regia, et qui a été repris après par les Romains, le régime impérial de Jules César, dans la loi Lex Caesarea. Suivant, s'il vous plaît. Ensuite, la deuxième période de l'historique, comme je vous l'ai dit, c'est du 16e au 19e siècle. Du 16e au 19e siècle, qu'est-ce qui s'est passé, chers collègues? Comme je l'ai dit, premièrement, il y a eu la césarienne qui était faite sur des femmes qui sont mortes, c'est-à-dire la césarienne post-mortem. Ensuite, maintenant, nous sommes passés maintenant sur la césarienne qui est faite sur les femmes vivantes. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est très important de le dire. C'est-à-dire que, juste là, on ne peut pas vous dire de façon claire et nette le nom de la personne qui a réalisé pour la première fois une césarienne sur une femme vivante, ni quand, ni le lieu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons plusieurs informations, nous avons plusieurs récits. Et c'est pour cela que je vais vous parler seulement, je vais vous donner les informations qui se trouvent dans la littérature actuellement. Si bien, selon certains récits, chers collègues, la première césarienne a été réalisée en 1500, non pas par un médecin, mais par un éleveur de porc. Il s'appelait Nuffet. Et sa femme prenait du temps, sa femme était enceinte, et lors du travail, le travail était compliqué. Malgré que la femme était entourée par une équipe de 13 sages-femmes, la femme n'arrivait pas à concevoir. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de Monsieur Jacques Nuffet, si c'est l'Esprit Saint qui lui a parlé. Et ce dernier a demandé la permission de l'administration dans le temps afin d'intervenir lui-même, bien qu'il n'étant pas médecin. Et il a pu césariser sa femme. L'enfant est né, l'enfant était en bonne santé, l'enfant même a vécu jusqu'à l'âge de 77 ans. La femme, après cette première expérience de césarienne, la femme a eu d'autres enfants après, dont des jumeaux. Suivant, s'il vous plaît. D'autres récits attribuent la première césarienne à Christopher Bennus, en Italie, en 1540. Il y en a d'autres encore qui écrivent que non, que la première césarienne, c'est Monsieur de Wittenberg, en 1610, qui l'a réalisée. Mais chers collègues, ce qu'il faut ici comprendre, c'est-à-dire que la première personne, celui qui a pu décrire de A à Z la première technique de la césarienne sur la femme vivante, c'est bien M. François Rousset. Et ça s'est passé en 1781. Mais ce dernier, en décrivant la méthode de la césarienne, avait oublié deux facteurs très importants qui étaient à l'origine d'une augmentation, d'une hausse de la mortalité maternelle. Ces deux facteurs, ces deux complications, c'était l'hémorragie et l'infection. Qu'est-ce qui s'est passé si bien? Si bien qu'au XVIe siècle, entre le XVIe et le XIXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? On a connu un grand nombre de décès maternels. Et c'était dû à quoi? Comme je vous l'ai dit, c'était dû à l'infection et aux hémorragies. Si par exemple, en France, Baudelaire, lui, il a pu recenser que sur 73 interventions, il y avait 42 décès, soit un taux de mortalité de 58%. Budin, lui, à Paris, c'est-à-dire entre 1787 et 1876 à Paris, et lui, il a pu recenser 100% de mortalité, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune survivante
sur les interventions qui ont été faites. En Angleterre, ils ont parlé de 85%. Aux USA, aux États-Unis d'Amérique, ils n'avaient eu qu'une seule survivante sur 12 interventions. Bien évidemment, chers collègues, ces chiffres vraiment qui font peur, ceci a créé une vive polémique entre les opposants dans le temps de eux qui s'opposaient à la pratique de la césarienne et ceux qui étaient pour, c'est-à-dire les partisans. Suivant, s'il vous plaît. Si bien que jusqu'à la fin du 19e siècle, la césarienne est restée une intervention d'exception pratiquée uniquement, je cite, lorsque le bassin est si rétréci et que la main de l'accoucheur, c'est-à-dire l'obstétricien, ne peut y être introduite ou que le vagin est rempli de tumeurs. C'est une citation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vu tout cela, et Édouard Porot, en 1878, a comment dire, à essayer de trouver une solution à ça en adoptant, lui, une méthode, sa méthode. C'est-à-dire, sa méthode consistait à faire quoi d'abord? À faire une désinfection des mains avec une solution diluée et d'acide carbonique, à ouvrir, c'est-à-dire à faire la laparotomie, ouverture de l'abdomen, extraction du foetus, mise en place d'un garrot à visée hémostatique autour du segment inférieur, résection de l'utérus et ensuite nombreux lavages de la plaie du vagin. Suivant, s'il vous plaît. Suivant. Voilà. Ensuite, nous sommes passés ensuite après la première période, c'est-à-dire la période de la césarienne post-mortem, la seconde. La période de la césarienne qui est réalisée sur les femmes vivantes, nous passons maintenant au niveau de la troisième période. Au niveau de cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais dire au niveau de la deuxième période où la césarienne avait commencé à être réalisée sur des femmes vivantes, il y avait eu deux problèmes, c'est-à-dire il y avait eu deux complications qui avaient créé des problèmes dans le temps, c'est-à-dire l'hémorragie et puis l'infection. Si bien que le taux de mortalité dû à la césarienne était très très haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la troisième période, nous avons assisté à l'avènement de l'asepsie. L'asepsie qui est une technique qui permet de prévenir les infections par les micro-organismes. Et ceci a été rendu possible grâce à Louis Pasteur, à l'école pasteurienne et aussi à d'autres spécialistes. Suivant. Suivant, nous allons passer. Suivant, c'est pas. Voilà. La quatrième période, c'est la période moderne. C'est la période qui va du 20e siècle jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons eu comme changement à ce niveau? Nous avons ici l'avènement de l'antibiothérapie, de la pénicilline d'abord en 1940, puis des autres antibiotiques. Aussi, nous avons connu des progrès très, très remarquables dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation, ainsi que la transfusion. Il y a aussi la découverte des ocytocytes qui est venue pour enchérir cette période. Si bien qu'actuellement, toutes les conditions sont réunies pour que la césarienne puisse se faire afin que, c'est-à-dire le taux de mortalité ne puisse pas être assez haut. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, chers collègues, nous allons entamer l'épidémiologie de la césarienne. Vous savez, c'est quelque chose de très important, c'est une chose importante de parler de l'épidémiologie de la césarienne, parce que vous savez, depuis 1985, comme l'a si bien dit dans l'introduction par le docteur Pascaline Facineau, depuis 1985, la communauté internationale s'est réunie. La communauté internationale s'est réunie et là, il y a eu, les experts se sont mis d'accord que le taux de césarienne devait être compris entre 10 et 15%. C'est-à-dire que si le taux de césarienne dépasse 15%, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que c'est pas normal. Il y a problème. Qu'est-ce que vous avez constaté maintenant? C'est-à-dire que les 50 dernières années, malheureusement, nous avons connu une hausse du taux de césarienne. D'abord, quand nous prenons l'intervalle d'années, c'est-à-dire entre 1940 et 1950,
Vous avez vu que ce taux était de 5%. Ça tournait autour de 5%. Ensuite, à la fin des années 1970, le taux passe brusquement à 15%. Et actuellement, mesdames et messieurs, il y en a, le taux est en train de dépasser même les 30%. Le taux est en train de dépasser les 30%. Et ça constitue actuellement un véritable problème de santé publique. Un véritable problème. Notons que nous disposons, d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, les taux de césarienne actuellement varient entre 1 et 58% à travers le monde. Ils sont particulièrement bas, c'est-à-dire moins de 5%, dans 28 pays, dont les trois quarts d'entre eux se situent au niveau de l'Afrique subsaharienne. Par exemple, quand nous prenons le Niger, le Tchad, l'Éthiopie, Madagascar et le Timor-Leste, le taux de césarienne est de moins de 2%. Ça, ce sont des données de l'Organisation mondiale de la santé, des données qui ont été publiées en 2020, mais ce sont des taux qui répondent à l'année 2014-2015. Par contre, quand nous prenons le Mali, nous sommes à 2%, le Nigeria à 3%, l'Afghanistan, le Congo-Brazzaville, nous sommes à 5%. Le cas du Bénin en 2014, le Bénin tournait autour de, selon les données du ministère de la Santé publique, en 2014, le Bénin tournait autour de 5,3% en 2014. 5,3%. Suivant, s'il vous plaît. À l'inverse, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les taux de césarienne dépassent le seuil de 15%. Pour vous l'avez constaté. Et quand nous prenons 43 pays, il y a 43 pays où les taux vont même à dépasser les 30%. Par exemple, si nous prenons, par exemple, en Europe, à Chypre, ça fait 57% à Chypre. En Géorgie, 41%. La Roumanie, 40%. L'Italie, 35%. Quand nous venons, nous allons un peu vers l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, nous avons en première position la République dominicaine, 58%. Le Brésil suit avec 55%. Chers collègues, 55%. Chili, 50%. L'Équateur, 49%. Au niveau du Moyen-Orient, la Turquie, le Liban, l'Iran, ça tourne autour de 46-48%. Chez nos cousins chinois, nous avons 35%. En Corée du Sud, 39%. En Asie. Ici, vous allez voir que c'est un slide qui est en russe. J'ai laissé ça comme ça exprès. Là, ce sont des données de 2017. Ce sont des données que nous avons collectées au niveau de notre département. Et en 2017, le taux de césarienne mondialement dans le monde était de 26%. C'est de 26%. Ici, vous voyez la Russie, en 2017, ça tournait autour de 29,2%. Vous voyez. Bon, le Niger, vous ne comprenez pas. Il y en a qui comprennent le russe, qui peuvent lire le russe. Ben là, par exemple, je peux prendre, par exemple, vous voyez ici, le Niger, le Tchad, l'Éthiopie, 2%. Et nous avons la France. La France, qui était en 2017 à 23%. Et l'Égypte, vous voyez, l'Égypte, bien des temps, un pays africain, en 2017 était à 52%. Vous voyez? Donc, c'est sérieux. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Ici aussi, cette page, ce slide est toujours en russe. Mais je vais brièvement vous expliquer ce que nous voyons ici. Ici, le slide nous parle de la relation qu'il y a entre le taux de césarienne et puis le taux de la mortalité périnatale en Russie. En Russie. Chers collègues, en rouge, vous avez le taux de césarienne. En bleu, vous avez le taux de mortalité périnatale. Quand vous regardez correctement, concentrons-nous d'abord sur le taux de césarienne, c'est-à-dire en rouge. Vous voyez qu'en 1980, le taux de césarienne en Russie était de 1,6%. Le taux de césarienne. Brusquement, en 2017, nous sommes passés à 29,3%. Vous avez vu, entre 1980, de 1980 à 2017, nous sommes passés de 1,6% à 29,3%. Nous prenons la mortalité périnatale. En 1980, c'était de 18,4%.
Vous voyez qu'ici, que en 2017, nous sommes passés à 7,5. Vous voyez que ça diminue. C'est bon. C'est l'objectif. La mortalité périnatale diminue. La Russie a traversé, a franchi la ligne rouge, si je peux m'exprimer ainsi, en 2001. En 2001, la Russie a enregistré 15%, c'est-à-dire a traversé les 15%. C'est-à-dire en 2001, les problèmes ont commencé. Vous allez voir quand vous regardez correctement, et là, ça a commencé par augmenter. 15,5, 16, jusqu'à 29,3%. En 2017, pour finir avec cette page, c'est-à-dire qu'en Russie, en 2017, en Russie, chaque heure, quand nous prenons en une heure, il y avait 55 interventions chirurgicales de la césarienne qui étaient pratiquées. Si bien que pratiquement chaque minute, il y avait césarienne en 2017. Pratiquement chaque minute en Russie, il y avait une femme, une parturiente qui était en train d'être césarisée quelque part. Suivant, s'il vous plaît. Vous savez, on parle de césarienne, on dit, bon, l'objectif d'abord, pourquoi il y a la césarienne? La césarienne, c'est d'abord de réduire la mortalité périnatale, la mortalité maternelle. Mais il faut que cette césarienne soit indiquée, il faut que cette césarienne soit médicalement justifiée. Parce que comme toute intervention chirurgicale, la césarienne a bien et bien des risques. Ici, j'ai voulu faire la comparaison, c'est-à-dire l'effet de la césarienne programmée sur la santé de la femme et du fœtus en comparaison avec l'accouchement vaginal, c'est-à-dire l'accouchement par voie basse. Une césarienne programmée, qu'elle soit programmée ou pas, avec une césarienne programmée ou pas, il y a augmentation du risque, c'est-à-dire 1. La mortalité maternelle est de 4 à 5 fois plus élevée qu'au niveau d'un accouchement par voie vaginale. Nous avons les risques de thromboembolie de 3,8 fois plus élevés, plus qu'au niveau de l'accouchement vaginal. L'hystérectomie, entre 44 et 95% plus élevé, plus que l'accouchement vaginal. Placenta praevia, pendant la grossesse qui suivante, avec la césarienne, vous avez 1,4 fois de chance de l'avoir que l'accouchement vaginal. Douleur abdominale 2 fois, blessure à la vessie 36 fois, les troubles respiratoires chez le nouveau-né, c'est-à-dire plus de 7 fois, près de 7 fois. Vous avez près de 7 fois de chance de l'avoir que au niveau de l'accouchement par voie basse. Suivant. Merci. Donc, chers collègues, ici, et comme je voudrais dire que parlant des types de césariennes, nous sommes venus au niveau des types de césariennes. Ici, vous savez, si on veut parler des types de césariennes, si on veut vraiment rentrer en profondeur, nous risquons de faire 2 heures du temps. Donc, j'ai ici énuméré les types de césariennes de façon pratique que, en tant que gynécologue obstétricien, nous voyons souvent au niveau des maternités ou des centres périnataux. On peut classer la césarienne simplement en 3 groupes. Nous avons la césarienne élective ou programmée, la césarienne d'urgence pendant la grossesse et la césarienne pendant l'accouchement. C'est tout. Il y a d'autres termes, césarienne itérative, césarienne de convenance et autres. Ça, la littérature est là pour vous éclairer. Mais, comme je vous l'ai dit, là, nous avons seulement 3 types de césarienne, comme je vous l'ai dit. Parlant d'indications aussi. Au niveau des indications, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit au niveau des indications de la césarienne. Il y a plusieurs auteurs. Donc, pour ne pas perdre du temps pour citer chaque auteur, j'ai seulement essayé de recenser de façon pratique, les césariennes qui sont rencontrées, les indications qui sont rencontrées fréquemment. Bien. Quand nous prenons la césarienne programmée, nous avons le placenta. La placenta previa de stade 3 et 4 qui est fréquemment rencontrée. Macrosomie, quand nous parlons de macrosomie, pour ceux qui ne sont pas médecins, c'est quand on dit quand le bébé est gros, est grand. Macrosomie, quand le poids dépasse les 4,5 kg, ça fait partie d'une indication.
Les antécédents de dystoxie des épaules compliquées, les antécédents de rupture utérine, la présentation du siège avec anomalie de la confrontation foéto-pelvienne, patiente atteinte d'HIV plus réplication virale, patiente avec primo-infection et utérus cicatriciel. Voilà des indications au niveau de la césarienne programmée. Au niveau de la césarienne d'urgence, nous avons les échecs d'une épreuve de travail, la dystoxie dynamique, la souffrance foetale compensée avec les contractions utérines, la présentation d'ischémie au cours du travail, le décollement placentaire, la crise éclamptique, l'hémorragie utérine et bien sûr la suspicion de rupture utérine. Voilà ce que je peux vous dire simplement, simplement, chers collègues, pour ne pas perdre du temps, pour ne pas rentrer dans la littérature. Voilà ce que je peux vous dire. Bien. Et concernant la classification de Robson, voilà le second volet. Nous entamons le second volet de notre webinaire de cet après-midi, la classification de Robson. Il n'existe aujourd'hui, je le répète, aujourd'hui, il n'existe aucun système de classification mondialement reconnu par la Césarienne. En 2001, M. Michael Robson a eu à faire des études, avait fait des recherches, parce que lui-même l'a vu. En Angleterre, c'est un Anglais. Et si vous l'avez bien vu, avant ça, nous, il y avait la photo de M. Robson, celui à qui nous devons la classification de Robson. Merci beaucoup. Voilà. M. Robson, c'est un chercheur irlandais qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé sur la césarienne. Et c'est grâce à lui que nous avons cette classification que nous appelons en Ten Group Robson Classification. C'est la classification de Robson en 10 groupes. Comme vous l'avez vu, cette classification a eu l'aval de l'Organisation mondiale de la santé en 2015 et de la Fédération des gynécologues-obstétriciens en 2016. La classification de Robson, ça veut dire quoi? Cette classification se base sur 5 critères. Sur 5 critères pour pouvoir classifier, pour pouvoir répartir les parturientes dans les 10 groupes. D'abord, je reprends encore, c'est-à-dire qu'avec cette classification, chaque parturiente, chaque femme enceinte qui se rend dans une maternité ou bien dans un centre périnatal pour accoucher est systématiquement répartie dans l'un des 10 groupes selon la classification de Robson. Maintenant, comment on répartit les parturientes et les femmes enceintes dans la classification de Robson? Nous nous basons sur 5 critères très très importants. Nous avons la parité, nous avons le début du travail, nous avons l'âge gestationnel de la patiente, nous avons la présentation du fœtus et nous avons le nombre de fœtus. Si bien que, par exemple, c'est très important de regarder la classe, de regarder ça, c'est très important. Dans le groupe 1, qui avons-nous dans le groupe 1? Dans le groupe 1, nous avons les nullipares, c'est-à-dire les nullipares, une femme qui n'a jamais accouché, les nullipares, grossesse unique, présentation céphalique, âge gestationnel supérieur à 37 semaines et travail spontané. Au niveau du groupe 2, vous avez nullipares, grossesse unique, présentation céphalique, âge gestationnel supérieur ou égal à 37 semaines, déclenchement du travail ou césarienne avant le travail. Déclenchement de césarienne, ça c'est le groupe 2A. Césarienne avant le travail, ça c'est le groupe 2B. Au niveau du groupe 3, nous avons les multipares sans utérus cicatriciel, grossesse unique, présentation céphalique, âge gestationnel supérieur à 37 semaines, travail spontané. Le groupe 4, nous avons les multipares sans utérus cicatriciel, bien sûr, grossesse unique, présentation céphalique, âge gestationnel supérieur à 37 semaines, déclenchement du travail ou césarienne avant le travail. Il y a eu déclenchement du travail, donc nous mettons cette femme, cette parturiente dans le groupe 4A, mais s'il y a eu césarienne avant le travail, nous mettons la parturiente dans le groupe 4B. Au niveau du groupe 5, nous avons toutes les multipares avec
utérus cicatriciel, grossesse unique, présentation céphalique, âge gestationnel supérieur à 37 semaines. Le groupe 6, toutes les multipares, grossesse unique, présentation siège. C'est très important, présentation siège au niveau du groupe 6. Au niveau du groupe 7, nous avons toutes les multipares, grossesse unique, présentation siège, plus utérus cicatriciel. Plus utérus cicatriciel. Le groupe 8, nous avons toutes les grossesses multiples, utérus, toutes les grossesses multiples, utérus cicatriciel inclus. Au niveau du groupe 9, au niveau du groupe 9, nous avons toutes les grossesses uniques avec présentation transversale ou oblique, en plus de l'utérus cicatriciel. Et enfin, le groupe 10, nous avons toutes les grossesses uniques avec présentation céphalique, âge gestationnel moins de 37 semaines. Âge gestationnel moins de 37 semaines d'aménorrhée. Et puis, en plus de ça, il doit forcément y avoir des cicatrices au niveau de l'utérus. Suivant, s'il vous plaît. Donc, nous allons passer directement, oui, nous allons passer, non, oui, nous allons passer directement au niveau du troisième volet. Et là, vous allez comprendre l'utilité de la classification de Robson, en quoi cette classification permet permet de réduire le taux de césarienne. Ici, nous avons effectué des travaux de recherche. Suivant, s'il vous plaît, à Moscou, au niveau du centre périnatal du CHU 67 de Moscou. Actuellement, ce centre fait partie de l'un des trois meilleurs centres, trois meilleurs et trois plus grands centres périnataux en Europe. Parce que vous voyez comment c'est très grand, il y a tout à l'intérieur. Et puis, nous avons fait notre recherche sur la césarienne et puis sur la classification de Robson au niveau de ce centre périnatal. Suivant, s'il vous plaît. L'objectif de notre recherche était quoi? C'était d'évaluer la fréquence de la césarienne et la possibilité de sa réduction en Russie selon la méthode de Michael Robson. Bien évidemment, nous avons émis des objectifs de recherche. D'abord, on devait répartir les parties prenantes en 10 groupes selon les critères de la classification de Robson. Ensuite, analyser la fréquence des césariennes. Évaluer les groupes qui déterminent la fréquence la plus élevée et la fréquence la plus faible de la césarienne selon la classification de Robson sur la fréquence totale de la césarienne. Ensuite, analyser les indications de la césarienne. Et pour finir, déterminer les principales indications dans chaque groupe selon la classification de Robson. Voilà. Pour cela, nous avons effectué une étude rétrospective. C'était une étude rétrospective. Nous avons eu à fouiller dans l'historique des naissances, les fiches d'opération, les carnets de visite des parturientes. Cette étude a eu lieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, c'est-à-dire un an sur une année. Nous avons consulté 5264 historique de naissance, c'est-à-dire 5264 parturientes. Bien évidemment, nous avons parlé comme critère d'inclusion, c'était toutes les parturientes ayant accouché par césarienne pendant la période d'étude et conformément aux 10 groupes selon les critères de Robson. Les critères d'exclusion, c'était bien évidemment toutes ces parturientes, mais qui ont accouché hors période d'étude, c'est-à-dire dont la période d'accouchement ne se retrouvait pas au niveau de la période d'étude. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Chers collègues, ici, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au niveau du centre périnatal CHU 67 de Moscou, nous avons reçu exactement 5264 parturientes. 5264 parturientes qui sont venues
pour accoucher. Nous avons fait quoi? Nous avons réparti, parce que selon la classification de Robson, nous avons réparti ces 5264 parturantes en 10 groupes. Nous avons réparti ces 5264 parturantes en 10 groupes selon la classification de Robson, comme je vous l'ai expliqué, en nous basant sur les 5 critères, nous les avons répartis. Si, mais qu'est-ce que vous constatez ici? Quand nous prenons par exemple le groupe 1, vous allez constater que au niveau du groupe 1, nous avons reçu exactement 1539 parturientes au niveau du groupe 1. Et sur les 1539 parturientes au niveau du groupe 1, 203 parturientes ont été césarisées. Au niveau du groupe 2, vous voyez, au niveau du groupe 3, au niveau du groupe 4, du groupe 5, ainsi de suite. Si bien que, première information qu'il faut tirer ici, c'est-à-dire que sur 5264 accouchements, sur 5264 parturientes, nous avons césarisé 1398 parturientes. Avec un taux, avec une fréquence de césarienne de 26,5%. Avec une fréquence de césarienne de 26,5%. Ici, c'est très important de mettre l'accent, c'est très important de mettre l'accent sur le point 7 au niveau de truc. Le point 7, c'est-à-dire la contribution relative du groupe à la fréquence globale des césariennes. Ici, ça voudrait dire quoi simplement? Avec, au niveau de ce point-là, au niveau de ce point, on essaie de voir parmi les 10 groupes, parmi les 10 groupes selon la classification de Robson, quels ont été les groupes qui sont les plus pouvoyeurs de césarienne, c'est-à-dire quels sont les groupes qui ont plus, dans lesquels nous avons plus césarisé. Quand vous regardez correctement, vous allez constater que en première position, nous avons le groupe 5, selon la classification de Robson, le groupe 5, qui a fourni 33,5% du taux global de césarisé. C'est-à-dire que quoi? Un exemple. Sur les 1398 parturientes qui ont été césarisées de façon générale, le groupe 5 à lui seul a fourni 33,5%. Vous voyez? En deuxième position, nous avons le groupe 2 qui a fourni près de 25%. Et le groupe 1 qui a fourni près de 15%, c'est-à-dire exactement 14,5%. C'est très important. Ici, cette méthode, c'est pourquoi quand nous parlons de classification de Robson, la première chose qui vient est dans la tête des experts, c'est-à-dire que cette méthode permet en réalité de réaliser un audit de taux des césariennes. Vous voyez, bien évidemment, il y a une formule, je ne l'ai pas mis, il y a une formule pour calculer la contribution relative du groupe à la fréquence globale, la contribution relative absolue plutôt du groupe à l'Afrique. Il y a des formules, nous avons des formules, je n'ai pas jugé nécessaire de les mettre ici. Mais si il y a, après le webinaire, s'il y a des gens qui sont intéressés, après je peux vous envoyer ça et toute la technique pour pouvoir calculer ça en grammes par mille. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il faut retenir ici que sur 5264 parturientes, nous avons 1398 qui ont été césarisées, soit 26,5%. Les groupes pouvoyeurs, les plus pouvoyeurs de césarienne, nous avons en première position le groupe 5, ensuite vient le groupe 2 et le groupe 1. Voilà. Maintenant, comme nous avons eu d'abord cette première information capitale, nous avons dit voilà, nous savons que voilà que 1, nous avons 26%, 26,5% du taux de césarienne au niveau du centre périnatal 67. Ça, c'est grave. Ça dépasse déjà les 10 et les 15% recommandés par l'OMS. Nous avons dit très bien. Grâce à la classification de Robson, nous savons exactement les trois premiers groupes qui ont plus contribué à cette hausse de la césarienne, c'est-à-dire le groupe 5, le groupe 2 et le groupe 1. Très bien. Nous avons dit bien. Maintenant, ce que nous avons fait, parce qu'il faut qu'on aille en profondeur, il faut qu'on aille en profondeur pour voir pourquoi au niveau de ces groupes, les femmes ont été césarisées. Si effectivement les indications ont été respectées,
si ces césariennes ont été médicalement justifiées. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé par prendre maintenant chaque groupe. Nous avons pris chaque groupe et dans chaque groupe, nous avons pris l'historique de chaque patiente, de chaque parturiente. Nous avons examiné de façon méthodique les raisons de la césarienne, les indications. Nous allons aller vite. Au niveau du groupe 1, les indications phares, les principales indications ici, phares, il y avait la pré-éclampsie sévère et la dystoxie dynamique. 48,3% des parturientes ont été césarisées au niveau du groupe 1 à cause de la pré-éclampsie sévère. 26% à cause de la dystoxie dynamique. Et vous allez, il y a aussi le diabète gestationnel plus souffrance fœtale, vous voyez, 18%, et puis la myopie compliquée qui est de 6,9%. Nous allons aller comme ça, mais chaque fois, je vais commenter seulement les deux grandes principales indications. Suivant, s'il vous plaît. Au niveau du groupe 2, chers collègues, au niveau du groupe 2, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que vous constatez aussi avec moi? Vous allez constater que en première position, nous avons la dystoxie dynamique avec 51%. La souffrance fœtale vient après avec 18,6%. Ensuite, au niveau du groupe 3, en première position ici, c'est la souffrance fœtale. La souffrance fœtale et le décollement placentaire. Le décollement, vous savez, quand nous parlons de décollement placentaire, nous avons aussi l'hémorragie qui va avec. Donc, la souffrance fœtale vient en première position ici avec 45,9%, près de 46%, et le décollement placentaire avec 24,3%. Au niveau du groupe 4, la dystoxie dynamique, 58,8%, la souffrance fœtale, 18,7%. Au niveau du groupe 5, nous avons la césarienne. Césarienne supérieure ou égale à 2, bon, il faut remarquer que j'ai traduit ça. C'est des informations qui étaient en russe. J'ai traduit, donc, excusez s'il y a des trucs. Ici, c'est quand il y a d'antécédents de césarienne ici. Si ça dépasse 2, supérieur ou égal à 2, vous voyez au niveau du groupe 5, nous sommes à 77,6%. Vous voyez que vous commencez par voir. Si vous vous rappelez, chers collègues, le premier groupe pourvoyeur de césarienne était le groupe 5, avec 33,4%. Et vous voyez, ici, ça montre que quand avec césarienne utérine cicatricielle, nous avons 77,6%. Bien évidemment, nous avons la souffrance fœtale qui vient en seconde position. Au niveau du groupe 6, nous avons la souffrance fœtale qui vient en première position avec 44,1% et placenta praevia avec 29,1%. Le groupe 7, ici, c'est le slide est en russe, j'ai laissé ça comme ça exprès. Ici, regardez. Pour nous, ce qui nous concerne ici, c'est la partie gauche. Ici, en bleu, vous avez ici, d'abord le groupe 7, si vous vous rappelez, je vous ai parlé de présentation, c'est le groupe où il y a présentation par le siège. Présentation par le siège. Au niveau du bleu, nous avons présentation par le siège uniquement. Le rouge, ça, nous avons présentation par le siège plus utérus cicatriciel. Vous voyez que présentation par le siège uniquement, nous avons 83,90%, près de 84%. Et quand c'est couplé à l'utérus cicatriciel, nous avons disons 16%, pour être un peu dans les normes. Bon, à droite, c'est des chiffres qui concernent le Bénin. Donc, comme nous ne parlons pas du Bénin cet après-midi, je préfère m'en tenir au niveau de la Russie, au niveau du CHI 67. En suivant, s'il vous plaît. Donc, quand nous prenons l'indication de présentation du siège sans antécédent de césarienne, CS, c'est la césarienne,
Les indications que nous voyons, les indications combinées que nous voyons ici, nous avons des indications combinées parce que et c'est pas présentation par le CIES uniquement, ça en réalité, ça ne représente pas une indication directe pour aller pratiquer la césarienne. Ici en Russie, c'est pas ça. Donc nous avons forcément des indications combinées. En première place, nous avons la souffrance fœtale avec 40,4% et placenta previa avec 34,6%. Suivant, s'il vous plaît. Au niveau du groupe 8, c'est ici nous avons des grossesses. Nous parlons du groupe 8, nous parlons ici de grossesses multiples, grossesses jumelées. En bleu, ici, en bleu, à gauche, toujours, bien sûr, à gauche, en bleu, nous avons les données, les chiffres de la grossesse multiple sans antécédent de césarienne. Au niveau en rouge, nous avons les données de grossesse multiple avec et antécédent de césarienne, c'est-à-dire qu'avec cicatrice au niveau de l'utérus. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que sans antécédent, nous tournons autour de 73%. Avec antécédent, nous sommes à 27%. Suivant. Voilà. Donc, les indications combinées, parce que je le répète encore, une grossesse multiple, jumelée, et c'est pas une raison, c'est pas une indication directe pour aller réaliser une césarienne. Il faut que ce soit justifié, il faut que ce soit peut-être soit combiné. Donc, en parlant d'indications combinées, ici en première position, nous avons la souffrance fœtale. En deuxième position, nous avons le décollement placentaire. La souffrance fœtale avec 47,6%, le décollement placentaire avec 28,6%. Suivant, s'il vous plaît. Le groupe 9. Ici, nous parlons, au niveau du groupe 9, nous parlons de la présentation oblique, la présentation oblique ou bien, et tout ça. Ici, vous voyez que, en bleu, bien évidemment, c'est sans antécédent de césarienne, en rouge, avec antécédent de césarienne. Sans antécédent de césarienne, nous sommes autour de 74%. Avec antécédent, nous sommes autour de 27%. Et le dernier groupe, nous parlons des parturientes dont l'âge gestationnel est moins de 37 semaines d'aménorrhée. À gauche, toujours, vous voyez que au niveau du bleu, toujours, c'est quand il n'y a pas d'antécédent de césarienne. Au niveau du rouge, c'est quand il y a d'antécédent de césarienne. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez ici que sans antécédent de césarienne, nous sommes autour de 64% et avec antécédent, nous sommes autour de 36%. Voilà. À droite, c'est des données qui concernent le Bénin, donc je n'ai pas voulu faire truc. Voilà. Suivant encore. Très bien. Donc, chers collègues, après toutes ces analyses, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons recoupé toutes les informations, nous avons fait nos analyses, nous avons fait notre synthèse et nous avons dégagé les trois principales indications, les trois principales indications de la césarienne selon la classification de Robson, les trois principales causes, les indications qui ont fait que nous avons eu plus de taux de césarienne au niveau des groupes, des trois grands groupes pourvoyeurs de césarienne. En première position, nous avons l'utérus cicatriciel avec 26,5%. Ensuite, nous avons la souffrance fœtale, vous voyez. Le duel est serré avec 23,4% et nous avons la dyslexie dynamique avec 20,40%. Bien évidemment, nous avons conclu, nous avons tiré une conclusion. Avant de parler de la conclusion, et les données que nous avons eues, bien évidemment, nous les avons confrontées avec les données qui ont été, les recherches qui ont été faites par d'autres chercheurs dans d'autres pays. Et ce sont des données qui concourent. C'est effectivement, même, ils ont eu pratiquement et les mêmes résultats au niveau des groupes pourvoyeurs de césarienne, au niveau des indications, des principales indications. Ils ont eu beaucoup de résultats. Nous avons des données du Canada, des données de Londres, un peu partout, même d'Afrique.
même d'Afrique, nous avons des données. La conclusion que nous pouvons tirer ici, c'est quoi? D'abord, le taux de césarienne au niveau du centre périnatal du CHU 67 est de 26%, chers collègues. D'abord, nous sommes, c'est très grave parce que nous ne respectons pas là les recommandations de l'OMS. Et de l'OMS, pardon, parce que selon l'OMS, je le répète, le taux de césarienne ne doit pas dépasser les 15%. Ça doit être entre 10 et 15%. Quand ça dépasse ça, ça veut dire qu'il y a problème. Ici, nous étions à 26,5%. Ça veut dire qu'il y a problème. Les principaux groupes qui ont déterminé la fréquence la plus élevée de la césarienne, nous avons eu le groupe 5 avec 33,5%, le groupe 2 avec 24,9% et le groupe 1 avec 14,5%. Les principales indications de césarienne étaient l'utérus cicatriciel après césarienne avec 26,5%, la souffrance fœtale avec 23,4% et la dystocie dynamique avec 20,4%. Bien évidemment, chers collègues, pardon, bien évidemment, nous avons tiré notre conclusion. Mais à quoi bon faire l'audit, tirer des conclusions et ne pas émettre des recommandations? Parce que l'objectif, c'était de faire tout ça, d'identifier et puis de trouver des moyens pour réduire le taux de césarienne. Voilà. Donc, ainsi, pour réduire, nous avons donné émis des recommandations. J'ai traduit, c'est un risque que nous avons donné. Et aux obstétriciens du centre périnatal qui travaillent avec nous. Pour réduire la fréquence des césariennes, d'abord au niveau du centre périnatal 67 de Moscou et de façon élargie au niveau des maternités en Russie, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut une augmentation de la fréquence des accouchements par voie basse chez les parturientes présentant un utérus cicatriciel après une césarienne. Et ceci sous-entend quoi? Ceci sous-entend une sélection rationnelle, intelligente et méthodique des parturientes pendant un accouchement, pour un accouchement conservateur. Ça voudrait dire quoi au niveau du premier volet? Il y a une phrase qui dit « Césarienne un jour, césarienne toujours ». Moi, il y a une phrase qui disait ça. C'est-à-dire que quand tu as, comment dirais-je, on t'a césarienne une fois là, c'est fini, tu as plus de chances. Non, 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 non. Il ne faut plus faire ça. Une femme qui a été césarisée une première fois, rien ne veut dire que la deuxième fois, on doit la césariser. Non. Il faut se baser sur des données. Il faut voir s'il y a des indications. Donc, c'est pourquoi ici, on a recommandé qu'il y ait une sélection rationnelle, méthodique des parturientes afin de pouvoir booster la fréquence des accouchements par voie basse. Au niveau de la. Ensuite, nous avons recommandé une sélection compétente des parturientes au niveau du groupe, des groupes 2B et 4B. Je ne sais pas si vous avez constaté, au niveau de la répartition, quand nous avons réparti les 5264 parturientes selon les 10 groupes, selon la classification du Robson, vous allez constater qu'au niveau des groupes, des sous-groupes, pardon, 2B et 4B, vous allez constater que là, nous avons eu 100% de césariser. 2B 100%, 4B 100%. Ce n'est pas normal. Donc, ici, nous avons recommandé une sélection compétente des parturientes dans ces groupes et ainsi une nécessité d'effectuer une césarienne avant le début du travail. Ensuite, nous avons préconisé aussi une réduction de la fréquence des césariennes d'urgence pendant la grossesse à terme grâce à la sélection correcte des parturientes pour l'accouchement programmé et au bon algorithme de déclenchement du travail. L'algorithme de déclenchement du travail, il y a tout un protocole ici en Russie que nous respectons et qui doit être suivi. Voilà. Et pour finir, nous avons recommandé l'optimisation de l'utilisation des méthodes d'induction. Vous voyez, quand nous parlons de méthodes d'induction, les obstétriciens le savent, et d'intensification du travail suivi de l'état du foetus par le cardiotorographe. Ici, pourquoi nous avons mis l'accent sur l'état du foetus par le cardiotorchographe? C'est très important parce que nous avons eu des informations selon lesquelles, et dans certaines maternités en Russie,
dans certaines maternités, quand, dès qu'il y a, par exemple, rupture de poche, et que, à vue de, quand le liquide est vert, d'abord, le liquide ne doit pas être vert, mais quand le liquide est vert, bon, ça présente qu'il y a d'infection. Mais il y a des obstétriciens, des gynécologues obstétriciens, dès qu'ils voient que le liquide est vert, sans mettre même la femme, la parturiente, sous cardiotocographe pour vérifier les constantes du foetus, automatiquement, ils envoient la parturiente au bloc pour la césariser. Donc, nous avons recommandé que cette pratique cesse et que d'abord, il faut mettre l'accent sur l'utilisation du cardiotocographe. C'est très important. C'est très important. C'est ça qui nous permet de voir avec exactitude si effectivement il y a souffrance foetale ou pas. Parce que vous voyez, au niveau des indications, la souffrance foetale vient en deuxième position. Donc, c'est très important. Suivant. Donc, chers collègues, voilà ce que je peux vous dire. Désolé encore pour ce problème technique et que j'ai essayé d'aller rapidement. Si après cet échange plutôt, après cette discussion, s'il y a des personnes, des collègues qui seraient intéressés pour avoir des informations plus poussées, c'est simple. Vous m'envoyez, je vous laisse mon mail, vous m'envoyez vous me demandez tout ce que vous voulez, je vais vous l'envoyer par mail. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi pour cette communication qui, pour moi, était très intéressante et qui a essayé quand même de faire un tour de la question. Et comme vous avez dit, de demander tout ce que nous voulons, moi, je vais commencer par ma première question Allez-y. qui est de savoir c'est quoi votre nationalité réelle? Je suis africain. Bon, je suis béninois. Je suis de nationalité béninoise. Africain, joue africain toujours. Voilà. Voilà. Je voulais être béninois, mais je voulais me priver de ça. Mais voilà. Mon intuition était donc bonne. Non, vous voyez le nom de famille D'accord. aussi. Vous aurez dû deviner. D'accord. Oui, c'était vrai. Donc, merci beaucoup à vous. Je vais laisser la parole aux confrères et consoeurs pour les différentes préoccupations. Je pense qu'il y a déjà Dr. Landou qui a levé la main. Docteur Landou, vous avez la parole. N'oubliez pas de vous présenter et de poser votre Ok, merci préoccupation. beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Moi, c'est le docteur Landou. Je suis médecin des familles en RDC, plus précisément à Kimpese. Alors, je remercie le docteur pour sa brillante présentation. J'ai vraiment beaucoup de questions, mais je vais essayer de les résumer. La première question, c'est par rapport à l'épidémiologie où il nous a parlé en Chypre, il y a 57% des césariennes. Alors, est-ce le docteur peut nous en donner un peu les raisons? Qu'est-ce qui fait que par rapport à la barre qui ne peut pas dépasser 15%, mais là on est à 57%? Et la deuxième question, c'est par rapport aux indications où il les a regroupées en trois. Ça, j'ai aimé. Et la troisième, il a parlé des césariennes d'urgence, où il a parlé le dernier point, c'est suspicion de rupture. En tout cas, bon, là, je n'ai pas du tout compris, mais je me dis qu'il y a rupture ou il n'y a pas rupture. Soit il y a une pré-rupture, mais parler de suspicion de rupture comme une indication de césarienne, je ne sais pas si il peut un peu nous en expliquer. Et par rapport au cas clinique qu'il a présenté, bon, j'ai senti un peu certaines zones d'ombre par rapport au type d'échantillonnage. C'est quel type d'échantillon? L'échantillonnage, que c'était comment les variables d'intérêt, mais aussi les déterminants. Par rapport à l'analyse univariée et bivariée, quels sont les déterminants qui ont primé? Parce qu'il nous a plus donné la fréquence, mais les déterminants à l'analyse univariée et bivariée, là, je n'ai pas senti. Je ne sais pas s'il peut nous en dire un peu plus. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Donc, à vous, docteur Landou. oui, merci, docteur Lando. Je peux répondre directement, mais pour ne pas oublier. Bon, oui, comme il n'y a pas beaucoup d'intervenants, oui, je peux vous laisser répondre directement. D'accord, Mais merci s'il y en beaucoup. a beaucoup, c'est qu'on va faire parler aux deux cinq. Mais là, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, docteur Fassino. Et d'abord, je remercie le docteur Lando pour son intervention. Et parlant du truc, la première question, je pense qu'il parlait de pourquoi
Et il y a le taux de fréquence va jusqu'à 57%. C'est bien cela. C'est ça. Oui, c'est en D'accord. Chypre où vous avez parlé de 57. Oui, 57% à Chypre. Oui. Vous savez, de façon générale, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça dépend. Ça dépend. Et les raisons de la hausse de la césarienne, ça dépend de chaque pays. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous savez, par exemple, si je prends, par exemple, moi, je ne suis pas à Chypre, je ne sais pas, mais je peux vous donner, par exemple, et le cas, un exemple sur le Brésil. Nous avons des collègues qui nous ont rapporté des informations très tangibles sur le Brésil, pardon, et sur Cotonou, sur le Bénin. Je vais vous donner des exemples et vous-même, vous allez et comprendre pourquoi il y a hausse du taux de césarienne. Par exemple, vous voyez que le Brésil, au niveau de l'Amérique latine, vient en deuxième position, avec 55%. Au Brésil, vous savez pourquoi il y a cette augmentation du taux de césarienne? Parce que les Brésiliennes préfèrent avoir recours à la césarienne de convenance. C'est-à-dire que quoi? Elles ont peur d'accoucher par voie basse, c'est-à-dire elles ne veulent pas salir, mais je sais pas, avoir que leur forme corporelle soit atteinte. Elles ne veulent pas accoucher dans la douleur, si bien que elles préfèrent, même tant qu'il n'y a sans indication, elles préfèrent aller se faire césariser. Si bien qu'au Brésil, c'est devenu, comment ici je peux m'exprimer comme ça, une forme de mode. Je ne vais pas accoucher dans la douleur, je vais chez le médecin, chez l'obstétricien, on s'entend, et puis voilà, on me césarise sans qu'il y ait d'indication. C'est pour dire au Brésil, près de 80%, selon les informations qui nous ont été rapportées par les collègues, au Brésil, à Rio de Janeiro, un peu partout, il y a eu une hausse du taux de césarienne à cause de la césarienne dite de convenance. Sans indication, sans indication. On veut faire la césarienne parce qu'on ne veut pas accoucher dans la douleur, on ne veut pas déformer ça et son corps et autres. Quand nous prenons, et comment dirais-je, le cas du Bénin, il y a beaucoup, c'est parce qu'il y a des Béninois, docteur Pascaline et Fascino peut témoigner. Au Bénin, je me rappelle plus correctement, parce que je n'étais plus là, il a eu la notion de césarienne gratuite. Césarienne gratuite. Où, voilà, quand la femme, la parturiente est enceinte, si elle veut accoucher, et si on la césarise, elle ne paie plus les coûts de césarienne. C'est pris en compte par l'État béninois. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait des enquêtes. Nous avons fait des enquêtes. Nous avons fait des enquêtes. Je préfère ne pas donner les villes. Et nous avons constaté que il y a des médecins, il y a de ces médecins qui préfèrent aller césariser que d'attendre, que de perdre son temps à attendre peut-être 10 heures, 12 heures de temps pour que la femme soit en travail. Disons, ils préfèrent césariser directement. Ils préfèrent césariser. Si bien que, parce que pour de toute façon, ils savent que c'est payé par le gouvernement de toute façon, pour voilà. Mais au Bénin, pour résumer au Bénin, nous avons connu. Il y a une hausse du taux de césarienne, même si ça n'atteint pas encore les 10%, mais ça ne commence pas à évoluer comme ça, à cause de la césarienne gratuite. Ce sont des informations que je vous donne par rapport à des enquêtes que nous faisons. Donc, à Chypre, pour revenir au niveau à la question du docteur Landou, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, au niveau de Chypre, nous sommes à 57%, parce que je ne suis pas là et je n'ai pas eu d'intervention, je n'ai pas des collègues qui sont là, mais je peux vous dire que souvent, la hausse du taux de césarienne, c'est dû à des césariennes qui ont été faites sans indication. Et surtout, si dans le pays, il y a toujours la notion de césarienne de convenance, alors il y a de très fortes chances que le taux de césarienne soit élevé dans ce pays. Voilà. Ensuite, comment dirais-je? Je me suis un peu perdu parce que vous avez posé beaucoup de questions. La question suivante, c'était quoi encore, s'il vous plaît? Bon, En fait, on... la seconde question, c'était Oui. par rapport à l'indication césarienne où vous avez parlé d'urgence, césarienne d'urgence, vous avez parlé des suspicions de rupture. En tout cas, dans ma Oui, peau, je ne me sens pas à l'aise oui. parler de suspicions de rupture. Non, non. Il y a rupture ou Oui. pas?
Oui, très bien, docteur Landou, très bien. Oui, vous savez, au départ, je vous ai dit que ce sont des documents qui ont été traduits. Ça a été traduit. C'est des documents, le document original est en russe. Peut-être que c'est défaut de traduction. Mais que vous dites, quand nous parlons de suspicion de rupture en Russie ici, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, avant, quand, d'abord, un, la femme, la partenaire était enceinte, quand nous faisons l'échographie, par exemple, s'il y a déjà d'antécédents, s'il y a d'antécédents d'abord de césarienne, qu'est-ce que nous faisons? Nous pratiquons l'échographie pour voir, regarder correctement le niveau de cicatrisation au niveau de l'utérus. Nous regardons correctement. Si après, à part ça, si la femme a été opérée sur l'utérus, si ce n'est pas à cause de la césarienne, si c'est d'autres interventions qui ont été faites, et nous voyons qu'il y a beaucoup d'interventions, il y a eu beaucoup de cicatrices au niveau de l'utérus, et nous voyons, nous regardons grâce à l'échographie, si est-ce l'utérus là, ça peut tenir ou pas à une prochaine, si la femme veut donner et veut accoucher par voie basse, si ça peut tenir ou pas. Le médecin gynécologue, en collaboration avec le spécialiste en échographie, il regarde correctement. Ici en Russie, nous faisons ça. C'est même, ça fait partie de notre protocole de travail. Nous regardons automatiquement. Et c'est là qu'il détermine si on peut passer à l'accouchement et par voie basse ou s'il faut simplement faire la césarienne. Donc, d'où le mot suspicion. En réalité, c'est une traduction russe. Peut-être que la tradition ne passe pas. Donc, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée en réalité, docteur Landau. Maintenant, concernant les données au niveau de la recherche, vous avez utilisé des termes techniques. Si vous voulez bien, au niveau de trucs, comme c'est des travaux de recherche, je n'ai pas voulu mettre toutes ces informations et présenter ça, tout ça. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les données techniques, les chiffres statistiques que nous avons utilisés, vous pouvez en commentaire laisser votre mail et je vais vous envoyer ces informations. Comme c'est une présentation, j'ai seulement mis les fréquences simplement. Ça. Mais si vous avez besoin de données, je vais vous envoyer ça. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, docteur. J'espère Merci à vous. que j'ai répondu à Dr. Landou. J'ai beaucoup ici, j'ai beaucoup d'amis congolais aussi, nous travaillons ensemble. Si D'accord, j'ai répondu. merci beaucoup. Je vous en Ok, prie. d'accord, merci. Je vous en prie, docteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir, s'il y a d'autres préoccupations, d'autres partages d'expérience. Je ne sais pas si d'autres personnes aimeraient intervenir. Oui, docteur Invo, vous avez la parole. Okay, bonsoir, docteur Pascaline, et bonsoir à notre invité. Et je vous salue depuis le Bénin, l'hôpital de zone de Tchaourou à Papané, ici. Et je suis médecin généraliste et je suis à la maternité. Et donc, ce qui fait que le sujet m'intéresse beaucoup. Je voudrais comprendre en Russie, là-bas, selon votre protocole, sur quel élément clinique vous vous basez pour poser le diagnostic de souffrance fœtale aiguë. Parce que ça va pas être la deuxième cause d'une indication pour une. Ça va pas être de la deuxième indication pour une césarienne chez vous là-bas. Qu'est-ce qui se fait? Parce que ici, dans notre milieu, tous les centres qui disposent d'une maternité n'ont pas tous les mêmes plateaux techniques. Exemple, le cardiotochographe n'est pas où moi je suis. Mais je pose mes diagnostics cliniquement parce que j'ai appris et j'ai retenu. Et par contre, dans un centre hospitalier universitaire où il y a plus de matériel, ce n'est pas le cas. Je voudrais savoir chez vous là-bas, là, cliniquement, quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour poser le diagnostic d'une souffrance fœtale aiguë. Ma deuxième question est celle-ci. Est-il possible ou est-il permis de pratiquer la ventouse sur un utérus cicatriciel? Est-il possible ou permis de pratiquer la ventouse sur l'utérus cicatriciel? Vous me suivez? Oui, je vous suis, docteur Hembo. OK. D'accord. Troisième Merci. chose. Ah, d'accord, oui.
Allô, vous me oui, suivez? je vous suis. Oui, je vous suis, docteur. D'accord. Ma troisième question est celle-ci. Pensez-vous que si nous sommes dans l'optique de donner la chance à une parturiente qui est unicicatricielle à accoucher, on peut mettre de l'ocytocine? Si oui, comment vous nous conseillez de procéder? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, cette partie? Je demande, oui. Est-ce que vous pensez que, et dans la logique de donner une chance à une parturiente unicicatricielle, d'utérus unicicatricielle, d'accoucher par voie basse, est-ce que c'est permis ou possible d'utiliser de l'ocytocine pour diriger le travail? Et si oui, comment on peut s'y prendre? Et sinon, pourquoi? Ça, c'est mes préoccupations qui sont et tout de suite venues, que j'ai pu noter à côté ça. Après votre explication, si j'ai deux, je vais revenir. D'accord. Merci. Merci beaucoup, docteur Hengo. Mes salutations au peuple frère de Tcharo. Et pour répondre premièrement, vous avez posé trois questions. D'abord, la première question, sur quel signe clinique nous nous basons pour établir le diagnostic de souffrance fœtale aiguë. C'est bien cela. Ici en Russie, tout ce qui concerne la souffrance fœtale, nous nous basons seulement sur les données du cardiotopographe. Selon le protocole de 2021 actuellement, c'est sur les données du cardiotopographe. On doit pouvoir faire le cardiotopographe et voir visuellement si effectivement il y a souffrance fœtale. Comme vous voyez, quand le battement du fœtus et autres, nous regardons tout cela. C'est très important. Et l'obstétricien, unilatéralement, ne peut même pas, même si tout est avéré, si, quand le cardiotographe montre les données qui prouvent que voilà, il y a souffrance fœtale aiguë, il ne peut pas prendre la décision de façon unilatérale de conduire la parturiente directement au niveau du bloc. Il doit se référer automatiquement au chef service et ensemble, ils vont constater ça. Les Russes, ils sont très, très stricts sur ce point. Il y a le protocole qui est là et il faut suivre le protocole. Ici, nous travaillons comme des robots. On ne réfléchit même pas. Il y a le protocole, on s'en fout. On suit le protocole. Voilà. Donc, nous nous basons, Dr. Hengo, sur et les données de l'appareillage, c'est-à-dire du cardiotopographe. Avant, comme je vous l'ai dit, avant, il y a d'autres qui se basaient sur, par exemple, quand ils voient, après rupture, quand ils voient la couleur de l'autre. Non, 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 non. On se base seulement sur le cardiotopographe. Et vous avez demandé si c'est possible d'utiliser, vous avez dit, ventouse sur l'utérus cicatriciel. J'ai dit, je pense que ici, parce que ici, je vais chaque fois parler par rapport à notre expérience ici. Quand la femme est enceinte, quand la parturiente vient, ici, tout est informatisé. Même si elle a accouché depuis 15 ans, tout est informatisé, nous voyons tout ça. Et toutes les maternités, tous les hôpitaux en Russie et à Moscou travaillent avec je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais même si je suis dans une maternité ici, qui est à 15 km, je peux avoir accès directement grâce au numéro de la patiente à l'historique, à son historique. Donc, je disais tantôt que si la patiente vient, et on voit déjà qu'il y a cicatrice au niveau de son utérus, il y a utérus cicatriciel, je répète, qu'est-ce qu'on fait automatiquement? On ne réfléchit pas beaucoup. On va faire l'échographie pour vérifier. Si, je ne sais pas, en russe, il y a un terme qu'on utilise en russe, ce n'est pas la peine de dire ça en russe, parce que pour vérifier si l'utérus, ça peut tenir, que ce soit pour accouchement par voie basse ou bien manœuvre avec ventouse ou autre. Nous regardons. Et quand on regarde, parce qu'il y a des données cliniques, il y a des données techniques qui regardent, il y a l'appareil, je ne sais pas comment ils font ça, parce qu'ici, je dois avouer qu'en Russie, nous avons les gynécologues obstétriciens ne sont pas, je le répète, ne sont pas autorisés à faire des échographies.
au niveau de la main tête. Avant d'être autorisé à faire l'échographie, il faut avoir un certificat d'études de spécialité pour échographie. Et là, c'est 2 ans encore. Donc, nous avons nos médecins qui sont spécialistes en radiologie, en échographie, qui ont fait cette spécialité, qui travaillent avec nous. Donc, quand il y a ça, quand je vois, je prends des exemples, je vois ma patiente qui est arrivée, je rentre dans son historique, je vois, ah, il y a étherie cicatrice, elle dit, d'accord. Je l'envoie directement chez le médecin radiologue qui est chargé de faire. Et ici, en russe, on appelle ça le tivaya diagnostic, je ne sais pas comment traduire ça en français. C'est les médecins qui sont là, qui font l'échographie, la radiographie, l'IRM, je les envoie et dis, bon, regardez-moi si, s'il vous plaît, si l'utérus, là, au niveau de la cicatrice, là, est-ce que ça peut tenir face à un probable accouchement par voie basse ou pas. Et j'attends eux, leur OK. S'ils me disent oui, et ils écrivent ça correctement, parce qu'ici, il y a les juristes qui nous suivent beaucoup, s'ils écrivent ça correctement, ils signent. Oui, docteur, vous pouvez procéder à l'accouchement cicatrice par voie basse. Même si, et quand nous parlons d'accouchement par voie basse, même ventouse, c'est par voie basse, c'est quand il y a problème qu'on utilise la ventouse. S'ils me donnent le OK, là, moi, je fais comme il le dit. S'il y a quelque chose, je ne suis pas responsable parce qu'il y a les données, il y a les documents qui ont été rédigés, qui ont été signés par des spécialistes qui m'ont donné le OK. Donc, par rapport à votre question, ici en Russie, avant, et tout dépendra de trucs, tout dépendra du OK du médecin radiologue qui va réaliser l'échographie au niveau de la cicatrice pour voir si effectivement ça peut tenir face à un probable accouchement par voie basse avec utilisation de ventouse. Mais au Bénin, je ne sais pas, je n'ai jamais, pour le moment, je n'ai pas encore exercé au Bénin, je ne sais pas. La troisième question, je pense que vous avez parlé d'une parturiente avec antécédent d'utérus cicatriciel. Est-ce qu'on peut utiliser l'ocytocine pour diriger le travail d'accouchement? Voilà. Je reprends. D'abord, ici en Russie, je me base encore sur ce qui se passe en Russie, parce que nous travaillons selon un protocole. La patiente est venue, elle a l'utérus cicatriciel. Je pense que j'ai déjà répondu même à tout ça. À l'utérus cicatriciel. Je l'envoie, selon le protocole, chez le médecin radiologue pour pratiquer pratiquer l'échographie, vérifier au niveau des de cicatrices ou bien de la cicatrice, c'est une ou bien si on peut procéder à un accouchement par voie basse. Quand je dis procéder à un accouchement par voie basse, ça sous-entend toutes les complications, toutes les mini-interventions qui pourraient avoir, qui concernent l'accouchement par voie basse, dont l'utilisation de l'ocytocine pour pouvoir booster un peu le travail ou autre. Si le médecin échographe, qui est radiologue échographe, me permet de faire l'accouchement par voie basse, monsieur et docteur Henvo, si la nécessité se présente et que j'ai besoin d'utiliser l'ocytocine, je l'utilise selon le protocole encore. Selon le dit protocole, l'ocytocine ici, nous l'utilisons, c'est 10 sites, iodinine, c'est bon. Ça fait, en français, c'est 10 microtours. En tout cas, il y a un protocole, il y a une dose qui est 10 iodinine, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais nous avons une dose. Ça fait 10 UI, 10 UI. Voilà. Merci beaucoup, 10 UI, c'est ça. Nous le faisons et nous suivons. C'est tout. Donc ici, je le répète, nous travaillons de façon, c'est même façon comme des robots. On ne réfléchit pas. Il y a un protocole. Nous avons des scientifiques, des grands professeurs là, qui sont en haut là-bas. Ils, chaque année, ils actualisent les protocoles. Ils nous amènent les protocoles. On s'assoit, on suit bêtement le protocole. Le protocole, bien évidemment, en ayant soin chaque fois d'avoir un support manuscrit. Parce que s'il y a Bobo, là, il peut dire que, ah voilà, j'ai demandé avis
à qui de droit? C'est lui qui m'a donné l'autorisation. Vas-y, vous voyez. Donc, c'est ça. Nous espérons qu'un jour, en Afrique aussi, il y aura des protocoles qui seront écrits par des grands patrons et qu'on pourra subitement Oui, et qu'on vous pourra également savez. avoir le plateau technique qu'il faut. Oui, docteur Envoi, d'abord je lui remercie avec docteur Lando pour ils ont posé de très très belles questions. Et vous savez, pour revenir à ce que vous avez dit, docteur Fassinou, vous savez, en réalité, quand le protocole, c'est très important. Et ça simplifie la vie du praticien et ça le protège. C'est quelque chose qui a été écrit par des académiciens, des grands chercheurs et autres. On te dit seulement, suis ça. Et la façon dont le protocole est rédigé en Russie, tout est écrit, même celui, je vous le dis, celui qui n'est même pas spécialiste, même un simple infirmier, bien, je ne dis pas simple, même un infirmier ou bien un médecin généraliste qui n'est même pas gynécologue, obstétricien, je vous jure, s'il s'assoit, il ouvre le protocole, il va tout faire correctement. Parce que tout est détaillé, même les doses, qu'est-ce qu'il faut faire, tout est rédigé de A à Z. On te demande seulement de suivre le protocole de A à Z. Vous voyez. Donc, c'est pour revenir à ce que vous avez dit. Si en Afrique, on commence, si c'est possible, que nos éminents professeurs commencent à rédiger ces genres de protocoles, que ce soit dans différentes spécialités, vraiment, ça serait très, très intéressant et ça va plus et rendre plus facile le travail du praticien. Et bien évidemment, il nous faut aussi le truc, il nous faut un plateau technique adéquat. Parce que, je vous le jure, ici en Russie, les Russes, ils n'ont rien à envier aux Américains, ils n'ont rien à envier. Ils ont tous les appareils de dernière génération. Voilà. Nous espérons aussi que nos systèmes sanitaires seront informatisés, que voilà, C'est et que très tout se important. passera un jour. C'est très important. L'espoir fait vivre, L'informatique. donc je pense Oui, qu'on va oui, oui. espérer. C'est très important, l'informatisation du système sanitaire, c'est très important parce que je me base encore sur l'expérience que nous faisons ici. Ici, aucune parturiente, aucune femme, ce n'est même pas gynécologie obstétrique. Sur le plan médical, personne ne se déplace encore avec des papiers. Tu peux te déplacer ça pour le fun, mais tu es sur tout est informatisé. Tu vas seulement, il y a un code, un numéro de code, tu gardes dans la tête, n'importe quel comment appelle, hôpital, où tu vas seulement là. Tu dis seulement, et on tape là, tout est tout. Depuis que tu es né, ou bien si tu as été, tout est consigné. Tout est consigné. Et comme en Russie, la médecine est gratuite, ils ne payent rien. Tout est payé à 100% par le gouvernement russe. On va y arriver, on espère bien. Pas si nous y a des chemins. Hein? Ah oui, nous avons du chemin. Mais il faut quand même espérer un jour. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir. Oui, docteur Fassinou, si tu me Je pense permets. Et le docteur avait oui, comme promis ça, c'est de vous nous avez la envoyer son parole. mail. Oui, docteur, vous avez dit quoi? Oui, vous avez promis de nous envoyer votre mail. Ce n'était pas dans la chat depuis là. Ah, désolé. Je pense que docteur, c'est lui qui a la parole. Sorry. Merci, c'est gentil. Docteur, c'est vrai que vous êtes là, vous êtes avec nous. Oui, j'ai été distrait à un moment. Vous avez la Oui, parole. un instant, j'ai été distrait complètement à l'affaire des gens. Oui, merci infiniment, docteur Yannick, Oui, vous en d'avoir priez, docteur. déjà accepté notre invitation et pour la richesse du partage que vous avez fait. Justement, je voudrais juste intervenir par rapport à la manière de procéder en Russie, qui est notamment basée sur la mise en place des protocoles que je trouve très intéressants, parce que ça évite finalement les erreurs médicales qui fait partie en fait, qui est la cause, en tout cas pour laquelle nous, que ce soit moi, Pascaline, Rosario, Vasak et tous les autres, pour laquelle on se bat finalement. Parce qu'en tant que médecin, on se dit,
aujourd'hui encore en Afrique, hein, pour le peu d'exercice que moi j'ai eu à faire, on laisse quand même beaucoup de place à l'analytique. À l'analytique, il y a beaucoup de largesse dans la réflexion médicale. Après, on peut toujours dire qu'en Afrique, il n'y a pas de moyens, donc chacun se débrouille. Et donc, sous cette couverture de débrouillardise-là, on se débrouille avec les médicaments qu'on a, on se débrouille toujours avec le contexte, on se débrouille toujours avec les moyens du patient. En fait, le médecin aujourd'hui africain a beaucoup de portes de sortie en termes de justification ou d'alibi pour ne pas appliquer, on va dire, les recommandations internationales à jour et à date. Parce qu'on peut facilement toujours accuser le plateau technique, on peut facilement toujours accuser plein de trucs, mais déjà, il faut avoir, même s'il n'y a pas un protocole uniformisé au niveau national, il faut avoir le protocole au niveau standardisé, au niveau international. Il y a des recommandations pour la plupart des pathologies qu'on peut utiliser et ajuster en fonction de son milieu ou des conditions d'exercice. Donc, c'est un sujet qui me touche beaucoup et qui m'importe. C'est pourquoi j'ai décidé d'intervenir par rapport à ça. On peut toujours faire mieux que ce qu'on fait déjà, même s'il n'y a pas de protocole uniformisé au niveau national. On a la responsabilité d'aller chercher de l'information et de faire la médecine sur la base de cette information-là, parce que si demain on doit être jugé, on sera jugé sur la base des standards internationaux. La science, elle est universelle. Il n'y a pas une science pour le Bénin et une autre science pour la Russie. Donc, c'était mon intervention. Merci. Merci beaucoup, docteur Cédric. Merci, docteur Cédric, pour l'apport. Et moi, pour ajouter, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui que chaque médecin, quel que soit là où il se situe, même si c'est dans un village, avec Internet quand même, de pouvoir se mettre à jour et de pouvoir savoir c'est quoi les recommandations en ce qui concerne son domaine. C'est super important. Ce que nous n'arrivons toujours pas à faire après les facs de médecine. Parfois, à la fac de médecine, nous recevons des cours, je m'excuse, un peu non actualisés déjà. Et on finit avec ça. Puis, au lieu de se dire qu'il faut continuer à se faire former, on est beaucoup derrière la poursuite de l'argent, surtout en Afrique où c'est super bien payé la médecine de façon très ironique. Donc, on court derrière l'argent, on oublie la compétence, on oublie parfois même de se mettre à jour. Et voilà, bonjour les conséquences. On fait un peu de la complaisance dans tout ce qu'on fait. On ne fait pas forcément très bien. Et c'est beaucoup d'erreurs médicales après. Donc, j'exhorte tout le monde, y compris moi-même, pour voir quand même s'actualiser par rapport aux recommandations, par rapport à ce qui est fait. Dans notre domaine, c'est super important. Je ne sais pas trop s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres interventions. Je pense que quelqu'un a écrit dans le chat, docteur Patilé Ntisamba. Il a dit « Bonjour, merci pour votre exposé, une inquiétude. J'aimerais que vous m'expliquiez comment se baser uniquement sur l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal pour poser l'indication de souffrance fœtale sans pH du scalp, couleur du liquide amniotique, bien que certaines anomalies sur l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. J'avoue, je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas si vous aviez compris. » Oui, je comprends. La question du docteur. Bon, en réalité, l'utilisation du pH pour la couleur du liquide amniotique, ça se fait ici et en Russie, ça se fait. Et j'ai répondu par rapport à une question directe, c'est-à-dire souffrance fœtale aiguë. Et j'ai dit ici en Russie, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils se basent automatiquement sur, comment dirais-je, sur les cardiotocographes. C'est sur ça qu'ils se basent, parce qu'ils estiment que c'est un appareil, ça donne plus d'informations visuelles, plus que le pH et autres. Mais ça se fait. Je ne refuse pas, ça se fait.
mais il se base beaucoup plus sur l'appareillage, sur l'ERCF, comme il a dit. Ça se fait. Oui, ça se fait, docteur, vous avez totalement raison. Ça se fait. Mais ici, les Russes, ils se basent sur l'appareillage. D'abord, ils se basent sur l'appareillage. Le pH, on fait ça. La couleur du liquide amniotique, tout ça, là, on fait ça. On fait ça, c'est un petit truc qu'on met, vous voyez, on attend, ça change de couleur, on fait ça. Donc, c'est ça. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des interventions. Je vous en prie, chers confrères et consoeurs, pour les interventions, veuillez bien prendre la parole et voilà, pourriez poser votre préoccupation. Là, on vous comprend mieux et on sait exactement qu'est-ce que vous voulez demander. Je pense dans le chat, il y a quelqu'un qui a mis, alors entre 1980 et 2017, d'après vos données, il y a en général une hausse du taux de césarienne et une baisse du taux de mortalité, mais entre 2008 et 2011 environ, il y a plutôt une hausse du taux de mortalité. Pourquoi, malgré la hausse de césarienne dans cette période? Oui, c'est une très, très bonne question. Une très, 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 très bonne question. J'aurais même aimé écouter cette question de la voix de l'intervenant lui-même. Et cette réponse, on nous la pose chaque fois. C'est une réponse politique. Vous voyez, entre 2008 et puis 2011, et Son Excellence le Président Poutine, il était Premier ministre. Et il y avait beaucoup de trucs, des discordances politiques avec des trucs, des voisins, si bien que dans le pays, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, face à cette question, c'est une réponse politique. Il n'a pas, médicalement, ce n'est pas explicable. Quand moi-même, j'ai vu ça pour la première fois, les données, j'ai demandé à ma directrice de thèse, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me disait, voilà, en 2008 et 2011, la politique, c'est ce qu'elle m'a dit. Et malheureusement, c'est la réponse que je vais vous donner aussi par rapport à cette question. C'est une très, très bonne question. Très, très bonne question. Donc, c'est ça. La politique intérieure de la Russie, c'est pas tout dit, donc c'est ça. Oui. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Pour l'instant, je ne vois pas de main levée. Voilà. Donc, comme dernière question, moi, je vais juste vous demander, est-ce que vous aviez quelque chose à nous dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez qu'à la fin de cette conférence, nous devons garder impérativement? Voilà ma dernière question pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Merci, docteur Fassino. Sincèrement, comme vous êtes un très, très bon modérateur pour l'aisance avec laquelle vous coordonnez le débat. Ce que j'aimerais d'abord dire, avant de commencer, d'abord, bien évidemment, c'est de remercier tout le monde pour le temps que ils nous ont accordé afin que nous puissions dérouler ce message. La césarienne, c'est une intervention normale, c'est une intervention très, très importante, c'est une intervention qui ne devrait plus causer des décès. Première chose. Je le dis pour nous-mêmes, Africains, je ne pense pas qu'il y ait d'Européens ici, à moins que quelqu'un puisse prendre le prénom d'un Africain. Voilà. Nous devons faire de sorte que certaines mauvaises pratiques puissent être éliminées à jamais. Quand je parle de mauvaises pratiques, je parle des pratiques qui conduisent à l'augmentation du taux de césarienne. Parce que, bien évidemment, si les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont réfléchi et ont dit que le taux de césarienne ne doit pas dépasser les 15%.
ils ont les raisons, ils savent pourquoi ils ont dit ça. Ne pratiquons plus des césariennes si elles ne sont pas indiquées. C'est dangereux. C'est d'abord dangereux pour la santé de la femme, de la maman, et c'est dangereux pour la santé du nouveau-né. C'est très dangereux. Réalisons nos césariennes si et seulement si il y a des indications. Essayons d'être professionnels. Essayons d'être professionnels. Et surtout, essayons de faire le travail de, comme des robots, c'est-à-dire, si il n'a pas indication, quel que soit ce que tu viendras me dire, quel que soit, parce que nous sommes en Afrique, je suis bien conscient de cela, nous sommes en Afrique. Travaillons, parce que bon, je comprends les conditions, le salaire, tout ça là, mais travaillons de façon professionnelle. La classification de Robson actuellement, c'est la seule classification d'abord qui a été approuvée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2015, par la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens depuis 2016. Ici en Russie, c'est rentré en vigueur à partir du 26 janvier 2019 que nous avons commencé par utiliser la classification de Robson. Actuellement, sur toute l'étendue du territoire russe, vous n'irez plus jamais dans une maternité. Et quand vous prenez l'historique de la pâturante, vous allez automatiquement voir à côté cette pâturante-là, dans quel groupe, selon la classification de Robson, dans quel groupe elle se retrouve. C'est très important. Je pense qu'en tant que professionnel de la santé de façon générale et de façon spécifique de la santé maternelle, nous devons commencer par utiliser petit à petit la classification de Robson. En 2021, nous avons eu des informations selon laquelle ça a commencé en Afrique, surtout au niveau du Congo, au niveau du Congo, au niveau de... à part le Congo, au niveau de l'Afrique francophone, ça a beaucoup plus commencé au niveau des anglophones, au niveau de l'Afrique, chez les anglophones. Et eux, ils ont commencé par travailler correctement, comme le Rwanda, Botswana et autres, ils ont commencé par utiliser correctement la classification de Robson. C'est une classification qui est simple. Comment l'utiliser? C'est très simple. Je suis disposé à tout moment, j'ai laissé mon email là, s'il y a des professionnels, des frères, des confrères qui ont des questions, qui ont des inquiétudes par rapport à l'utilisation, par rapport à la mise en place à l'utilisation plutôt de la classification de Robson, je vous en prie, écrivez-moi. Ce serait avec plaisir, je vais partager avec vous toutes les données, toutes les techniques, je vais le faire. Parce que nous ne devons plus être dans l'idée de... En Afrique, dans le système médical, qu'est-ce qui se passe? Si je suis fort, moi en tant que médecin, je suis fort, c'est ça. Je veux tout faire pour qu'on dise que oui, c'est Yannick. Ah, il est trop fort, lui là, il est trop fort, c'est lui, hein, tout ça là. Par contre, au niveau des Blancs, chez les Blancs, ce n'est pas ça. Ils s'unissent pour faire rehausser le niveau du système de leur système de santé. Évitons, on doit cesser avec l'esprit de, d'égoïsme pour dire que c'est moi, si j'ai telle chose, je dois garder tout dans la tête. C'est pourquoi je remercie encore Réma, toute l'équipe de Réma, le docteur Cédric Debo, pour ce que vous êtes en train de faire, ce que Réma est en train de faire. C'est très important, c'est très, très important. Ici en Russie, chaque semaine, quelle que soit votre spécialité, quel que soit le département dans lequel vous vous trouvez, chaque semaine, le département a l'obligation de réaliser, de faire un webinaire. Chaque semaine, nous faisons des webinaires. Ceci pour actualiser nos connaissances et pour être chaque fois à la mode, si je peux m'exprimer comme ça. C'est très, très important. C'est très, très important. J'encourage le docteur Cédric, j'encourage toute l'équipe de Réma, j'encourage Réma et merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui se sont connectés cet après-midi pour suivre cette information qu'on a bien voulu
mettre à la disposition de nos soeurs, de nos frères, de nos collègues. Je vous remercie.